Salut à tous, c'est Mr. Freeze. Donc on s'était arrêté à Couscous. Et ben on va aller directement au sud. Par South Window. Donc là où on a rendez-vous avec les autres de l'armée. Allez, on va se battre pour le clan. On va tout faire en auto. Ça, en fait, je pense qu'ils ont pris comme modèle des écureuils sauteurs. Qui existent en vrai. Hein. Des espèces de lambeaux de peau là qui peuvent permettre de planer un peu. Là. Je pense qu'ils ont pris ça comme modèle pour faire leurs ennemis. Leurs ennemis, ouais, les monstres. Je trouve qu'au niveau des monstres, c'est assez original. Bon, ils restent pas si beaux que ça, franchement, ils sont pas super beaux que les ennemis. Mais c'est sympa quoi. Et voilà Victor. Bon bah. Encore une musique différente. Putain, mais à chaque fois je. Chaque fois je prends le choix sans regarder. Je crois qu'il y a une musique différente par ville. Hein. Trop con. Putain, la phrase va pas dire quoi. On va expliquer. Allez, go. À chaque fois, je gourde le bouton pour courir. Et revoilà Clive. Ah, donc Clive, je vous ai dit, hein. C'est un perso optionnel. Assez puissant d'ailleurs. Il y a une quête spéciale avec lui, mais je pourrais pas la faire, hein, parce que. Je traîne trop. En fait, faut faire plein d'événements avant un certain temps de jeu à chaque fois, quoi. Mais je ferai une vidéo spéciale pour la montrer, pour montrer la quête. Une fois que j'aurai fini le jeu, je pense que je vais recommencer une partie pour le montrer. Voilà, donc on va aller voir Granmeyer, qui est le maire de la ville. Qu'on a déjà vu, hein, on l'avait vu à la conférence par exemple. Ok. C'est Gueule qui fait quand il revient de groupe. C'est pas la peine de me mettre deux fois, pardon. Voilà. Donc Leona n'est toujours pas revenu, donc on peut toujours pas changer de perso. Enfin bref. On va aller à l'est. Ça c'est un truc de rune, on. Bon allez tiens, on va y aller maintenant.
Bon, ouais, c'est pas une bonne idée. Mirko Dantas. Bon, on verra ça plus tard en fait. Je suis pas très décidé là, enfin bref. Alors, on va aller donc voir le maire à l'est de la ville. Si je retrouve l'endroit. Bon, là par contre, on va quand même y passer. Ça, c'est important. On va se mettre par là. Carrément. Non mais Nanami, elle a des robes en poulet là, en carton. Là. Ah ouais, merde, j'ai plus de fric. Ouais, tiens, j'ai jamais pensé à faire ça. Alors... chapeau de cuir. Voilà, donc les autres on va les revendre. C'est comme la dèche. Hein. Sac. Je sais pas plus. C'est pas énormément d'argent, mais bon. Mais ils lui disent pas comment ça. Comment ça se vend en plus. Ah bah si. Pas contre n'importe quoi. Ça nous fait du 2000 spots. On peut racheter que dalle avec, il me semble. Ouais, que dalle. Bon, ça sert un petit peu à rien, ça. Bon, bah, pff, on reviendra quand on aura de l'argent, alors. Bon, il s'est pas encore passé grand chose pour l'instant. Vous allez voir. Lui, c'est aussi un perso qu'on aura plus tard. Alors. Voilà la mairie. Et on revoit la grenier. J'aime bien son caractère d'ailleurs. Voilà, ça c'est important. Donc Victor est né à North Window, ok. Voilà, alors. Une jeune fille qui disparaît de North Window. Et apparemment il y aura un monstre. Bon, vous allez voir. Voilà, et Fried nous rejoint. On met les trois hommes de corps à corps devant. Alors là, logiquement, vous devez vous dire, est-ce qu'il s'est passé un truc là, une pub pour Colgate en plein milieu de la vidéo, hein. Non, en fait, bah, ceux qui ont joué à Suikoden 1 comprendront, les autres, bah, comprendront bientôt. Pourquoi on voit un espèce de vampire jouer de l'orgue, vous verrez bientôt.
Ah, donc en clair, un grain de millière, il nous a. nous a. Engagé, quoi, pour défendre la ville. En fond. Bon, encore une erreur de traduction. C'est marrant parce qu'il y a quand même 108 persos jouables. Enfin, jouables, pas tous, non. Il y a quand même 108 persos, quoi. Et enfin, jouables ou pas, de toute façon, on les voit tous, quoi. Ils ont tous un caractère différent, quoi. Et ça, je trouve, c'est bien fait, quoi. Donc, ça donne des situations assez marrantes, des fois. Attends, on va regarder Fried. 5, 6, 5, 5, 4. D'accord. Sœur curé, un arbre de cul, un bouclier de bois. Ça, c'est un des rares persos qui peut porter un bouclier. Enfin, rare. Pas tant que ça, mais. Il y a quand même pas énormément de persos qui peuvent faire ça. Donc là, vous avez compris, on va aller à North Window. Parce qu'il y aurait des enlèvements de jeunes filles, apparemment. Et un certain monstre. En vrai. On va aller au nord, ou ouest si je ne me trompe pas. Je crois que c'est là. Hein. Non, c'est pas là, c'est à l'est alors. Ah, ça, saloperie, femme cible. Les femmes cibles, hein, sérieusement, hein, c'est vraiment très chiant. Voilà, vous allez voir pourquoi. Bon, là, heureusement qu'avec des ennemis faibles. En fait, c'est un peu elle qui dirige les autres monstres. Elle met un cible, une cible plutôt, sur un allié, et tout le monde va le viser lui en fait. Il se prend des gros dégâts en plus. Voilà. On va voir, je sais plus si c'est à gauche ou à droite du coup. Il me semble que c'est au nord-ouest. Hein. Bon, elle est pas super résistante. Bon, je pense qu'ils ont assez de vie là, j'aurais pas besoin de les soigner. Bon, est-ce que je me suis pas trompé d'endroit, attention. C'est bon, c'est dans ce window. Donc le village natal de Victor. Alors je vous l'avais déjà dit que Victor c'est un perso qui avait déjà dans Suikoden 1, que je connais pas énormément, hein, Suikoden 1, je suis pas du tout allé jusqu'au bout. J'aimerais bien, bon il a mal vieilli Suikoden 1, mais l'histoire franchement elle est pareil, hein, elle est pleine de rebondissements, elle est bien foutue. C'est le reste quoi qui... Quand on a joué aux deux, ben, ça donne pas trop trop envie. Bon là pour qu'il ait pas trop envie de venir. Voilà, c'est un vampire du nom de Necklord. Qui a fait ça, ok. Et voilà. Donc Necklord, c'est un... un ennemi qu'on a aussi dans le 1.
fait voir qu'il est pas totalement invincible. Alors, on reconnaît un peu le thème. C'est... Alors la musique, c'est en fait une autre musique du jeu, mais en très ralenti. Je sais pas si vous avez remarqué. Ouais, il one-shot tous les persos, il n'y a même pas de marqué de dégâts ni rien. Vous allez voir qu'on peut même pas le toucher. On peut pas, hein, cherchez pas. Là, il parle de l'épée Star Dragon. Et donc cette épée, c'est quoi? Ben, c'est l'épée qui peut le toucher, quoi, en clair. Voilà, les 27 vraies runes, je vous rappelle. Bah, par exemple, les deux runes qu'on a, c'est... Enfin, moi et Joey, c'est... C'est des vraies runes. Voilà, donc maintenant, on doit aller à la caverne du vent. Oh putain, mais il m'a massacré, c'est vrai. Attendez, je vais quand même voir s'il n'y a pas moyen de se soigner ici. M'étonnerait, mais... Bon, je vais faire une petite visite guidée du village. Donc à gauche, vous pouvez voir des arbres, à droite aussi. Ouais, c'est vrai, merde, il n'y a rien en fait. Et on peut pas rentrer, bah... Tant qu'on n'a pas fait le truc de l'épée. Oh, bah, quand même, ils abusent là. Hein. J'ai vraiment pu mettre un délit, je sais pas, un truc pour soigner. Parce que là, ça veut dire que je vais devoir me soigner avec des objets, quoi, putain. Ouais, tiens, ça tombe bien. Merci. Alors. Ouais, tant qu'il nous accompagne, hein, autant lui voler ses objets, quoi. Donc, si je me trompe pas. Voilà, là, voilà la caverne du vent. Et donc en fait cette caverne, ben on va devoir la faire en entier jusqu'à ce qu'on arrive à l'épée Star Dragon en fait. Au moins un truc intelligent quoi. Parce qu'il y a beaucoup de jeux comme ça. On peut même pas passer quand c'est comme ça, mais putain, il suffit de bouger les pierres, merde. C'est vrai, quoi. Donc je vais sauvegarder par-dessus ma sauvegarde la plus vieille. Oula, ouais, le date, c'est là, avec Tsai. Voilà, donc vous avez compris ce qu'on va faire. On va aller chercher l'épée Star Dragon. Après, bah, on va vaincre Necklord. Et après, voilà, ça sera la suite du jeu. Donc c'est une petite coupure quoi de... C'est plus trop la guerre quoi là. Je m'explique comme un poulet là. Bon bah écoutez, je vous retrouve à la prochaine vidéo. Donc salut et bon appétit.